Voilà, vous pouvez vous approcher de la carrière car le numéro 39 est présent, présenté par Nicolas de Villers de la Méniane, tout près d'ici, c'est Valeur des Obos. Et c'est une pouliche netto, hein, elle est née le 28 janvier, une fille de Cap Garde, un des étalons préférés de Nicolas de Villers qu'il utilise beaucoup en même temps que son étalon Saddles Maker, Cap Garde et Alpaga par le Pontet. Très grosse origine ici, tout simplement, puisque cette pouliche de Cap Garde n'est autre que la sœur de Cali des Obos, gagnante du prix Ginette à Auteuil, et la sœur de Tali des Obos. Alors, Cali avec un K, une panoramique, et Tali avec un T, une panoramique également. Tali des Obos qui, elle, a gagné en plat. ACG, troisième du prix de l'avenir et qui compte 5 victoires au deuil, dont elle aussi le prix Ginette à deux. Une famille Le Gentil dans la sous-basse, puisqu'on retrouve Terre d'Estrival, Gris d'Estrival et Carte d'Estrival sous la deuxième mer. Alors, un jury tout à fait particulier pour cette section femelle, puisque nous avons le Cheval d'Or. Le double cheval d'or de l'élevage d'obstacles, Nicolas Lagenette, qui est entouré de deux professionnels anglais, dont un dirigeant de haras qui a acheté Soulamani, notamment l'année dernière, qui fait partie de la délégation anglaise amenée par Richard Venn. Richard Venn, que vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'il a fait le choix du meilleur foal du champion suprême entre le mâle et la femelle. Voici Nicolas de Villers au fouet qui nous présente donc Valeur des Obos. Nous avons donc affaire en deuxième attaque avec ce 39. C'est la première section des femelles, donc née le plus tôt dans l'année. Alors, de la même façon que pour les foals, on essaie d'équilibrer le plus possible les chances en mettant ensemble les éléments nés plus tôt et ceux qui sont plus tôt. Ok, merci. Merci à ce numéro 39. Et on va donc passer au numéro 40. Le 40, Vicky Duménil, une fille de Le Balafré et Bellevue Duménil par Air du Nord. Alors, Le Balafré, est-ce que c'est bien le 40? On va faire une petite vérification avant de se lancer dans la. Descriptif, dans le descriptif de son pédigré. Alors, en attendant que le lot suivant arrive, je vous invite à feuilleter les pages du catalogue. Juste avant la page donc 110 qui commence cette section de pouliches de 2 ans, vous avez de nombreuses pages qui vous permettent de découvrir les professionnels de la région. La 40 est absente. Donc on passe au 41, merci à Jean-Luc Petit qui m'a donné cette information. Gentle Wave, on regarde avec intérêt puisqu'il n'y a pas beaucoup d'QPS par Gentle Wave. Gentle Wave, c'est un fils de Monsoud qui fait la montre au ras du Canet chez Julien Rivage sur le côté de l'île. Et on retrouve cette fameuse souche, la souche signée Poétil, dont les deux frères Alain
et Jean-Luc exploitent respectivement chacun une branche qui descend du DS4. Là, en l'occurrence, on a affaire à Jean-Luc Tévier, qui est donc un homme en 5 ans dans la manche, et qui nous propose cette fille de Gentle Wave et Jerissa, et même par Highlander. Highlander, c'est pour la faire ici. Et c'est Oblige Tato, que la sœur de Parker, vainqueur du prix Jacques Bellevienne, sous l'entraînement de Tim Bayer. Et ce soir, on va partir avec Kazan et Sapro. Cette pouliche est également la sœur de Nadover. Nadover qui s'est classée 4e de groupe à Idol en Angleterre. Pouliche s'appelle Valo. C'est combien la minute? Si je fais quoi? C'est une bonne façon de voir si les chevaux ont une bonne locomotion pour bien jacter un bon équilibre dans le mouvement. Ce ne sont plus les timides faux qu'on a vu ce matin qui suivaient leur mère, mais là, de 2 ans, qui vont être un peu plus indépendants. Et c'est donc Alain Coutier en personne qui a pris les rênes pour nous présenter au trot. C'est un petit temps de dialogue, enfin, pour nous présenter au trot, c'est pas le cas. Une pouliche noire mangarée. Merci Alain. Le 41, Padova quitte la scène en trot et va laisser sa place au suivant. Donc en attendant, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez fêter le 42 et découvrir de nombreux professionnels et des entreprises qui sont là aussi. Des laboratoires pharmaceutiques, des laboratoires des infections, des orthitos, des hippodromes, des haras, des étalons. Non, donc on va attendre le lot suivant qui est. Donc le 40 est absent, je vous rappelle. Est-ce que ça va passer directement le 39 ou 41? Alors le 42 est attendu. Pas de 42. Alors on va passer au 43 alors. Allez, le 40, c'est bien le 43. 42, le voilà. Bien. On a vu des fautes de Early March ce matin. Voici la première de. Early March, donc les talons de maison du Haras du Sage. J'ai Simon et son fils ici qui nous présentent donc cette fille de Early March. Early March qui est un excellent 2 ans sur l'entraînement de Cricketel Marek. Et qui a battu que de très haute minute vaincu Jean-Luc Lagardère, battu d'un souffle par Oratorio. Il a terminé deuxième, le troisième c'était Léma, au terme d'une lutte épique. Donc voici la première génération hein, de Early March, premier en 2 ans.
4% déjà couru et gagné. Mais là, c'est bien et bien un AQPS qui s'appelle Violette Terra. Le match est I Am Free, par garde royale. Merde, par garde royale, c'est une chose assez précieuse, on va dire. Et la mère I Am Free, qui est issue d'une fédéraliste, en référence dans le monde de la QPS, est une sœur de cœur volcant, une victoire, et Easy 3, qui était bonne en cours, c'est entièrement du team inverse, et qui est une bonne comédien également, l'un de l'institution. Dans cette touche, sur la troisième mère, on trouve aussi des chevaux qui sont exprimés sous l'élevage de Michel Jean-Sucré. Je pense à Jouvin-Lic, Platine, Radium, Talion également. Voilà, une souche qui vient du centre à la base et qui a été récupérée dans l'ouest de la France, dans le Nord-Atlantique, par le rat du sort. Merci donc au numéro 42. On va donc cette fois-ci bel et bien appeler le numéro 43. Je rappelle que le 40 était absent. Voilà le 43, s'il est là, qu'il se présente, s'il vous plaît. Il n'y a pas de 43? Ah, le 43 passera un petit peu plus tard. Donc on va appeler le 44. On ne va pas perdre de temps, on va enchaîner. On va appeler le 44. Le 44, c'est une fille de Saint-Dessin qui va se présenter devant vous. Vidi Desmottes. Il y a une série de Desmottes, vous allez voir. C'est Veni, Vidi et Vici. Selon la célèbre déclaration de Jules César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et en l'occurrence, c'est Vidi Desmottes, fille de Saint-Dessin et Java Desrodières. Java Desrodières qui a gagné sur cette piste, qui a gagné 4 courses au plat. Elle a gagné ici le prix de... Je vous le dis de mémoire, je vais quand même vérifier. Le prix de Feneux, je crois, ici, monté Alex Roussel, par 3 longueurs. Java Desrodières qui a donné naissance à un bon produit qui s'appelle Kiver Desmottes. Et un autre vainqueur qui s'appelle Radia. Et ici, c'est une fille de Saint-Dessin. Saint-Dessin, un des étalons préférés de nos amis anglais. Fait partie des mots magiques pour les convaincre de regarder un cheval avec un intérêt. C'est quand on leur parle de Saint-Dessin. Saint-Dessin qui a été élevé d'ailleurs par le juge qui est, issu au milieu, qui est ici au milieu, Nicolas Delagenette. Saint-Dessin qui a été élevé au haras de Savoir, fils de Cadou d'Allée Chemisaine, croisement d'un étalon d'obstacle sur une vieille souche plate, famille de Lobe à la Frais d'ailleurs, et qui après sa carrière sous la casaque de Jacques Détré est devenu étalon au haras des Truands avec le succès que l'on sait. Voilà donc le 44.
discipline d'énergie par Saint-Dessin et donc Java des Rosières. Java des Rosières, elle, a été élevée par André Frémont, tout près d'ici, à Chef-sur-Sarthe. C'est la souche bien connue des jazz des modes, classique des modes, kitsch des modes, dont on a vu un faux tout à l'heure. Trifolium également, une branche qui est exploitée désormais par Pierre Delaguillanière. Et on retrouve aussi India des Rodières, Nocturne des Mottes, autant de chevaux qui sont illustrés autant en plat qu'en obstacle. Voilà pour Vidi des Mottes, le numéro 44, une fille de Saint-Dessin. Ok, merci. Merci à Vidi des Mottes. Donc, est-ce qu'on va pouvoir récupérer le 43 maintenant? Oui. Philippe Fauché, avec son autorité naturelle, va appeler sans porte-voix le numéro 43. Donc, une petite inversion. Donc, on veut venir voir le 44. Bon, alors voici le 43 Vega de Vège. Vega de Vège, présenté. Ah d'accord, on va attendre un petit peu alors. Voilà, pendant qu'on voit Vidi des Mottes au trot. Une pouliche qui s'exprime. Voilà donc cette jolie Saint-Dessin qui va croiser le chemin du 43. Chose promise, chose due. Voici le 43. Alors ça, c'est une fille de Grete Pretender. Grete Pretender avec une mère par Useful, d'où sa qualité d'AQPS d'ailleurs. Donc Grete Pretender est un nom qui a fait ses débuts au ras de la Hétraie, chez Pascal Nou, qui est ici présent d'ailleurs. Qui l'a poursuivi pendant une saison à Ras de la Clète, là où est actuellement Malinas. Le Ras de la Clète, ça se situe dans la Saône-et-Loire, chez Sébastien Mourier, et qui la poursuit actuellement, sa carrière d'étalon, au Ras de la Barbodière, donc à Sablé-sur-Sarthe, chez la famille Verle. L'étalon a beaucoup plus cette année, je crois qu'il a saillé à peu près 70 à 80 juments, peut-être même plus. Et voici donc ce Grete Pretender qui a déjà fait des chevaux semi-classiques à Auteuil, ce à quoi il prédestinait son profil, un fils de King's Theatre avec une mère par d'argent. Alors en termes de souche maternelle, donc on n'a pas beaucoup d'AQPS forcément, puisque la mère est la première AQPS de la famille, puisqu'elle est pas useful. Mais la mère Caline Devège, qui est gagnante, hein, tant en plat qu'en obstacle d'ailleurs, est la sœur d'un bon cheval qui s'appelle Purgeon, qui comme son nom l'indique est un fils de Purgeon, qui a gagné 70 000 euros, grâce à, notamment à deux victoires, dont l'une à Auteuil, dans le prix Tanner. Oui, peut-être un petit peu, remarque, oui, je sais pas.
Voilà, Vega Dvej va être présenté désormais au trot. Un Great Pretender à la main par Yousfoul, je vous le rappelle, présenté par le SSR de la Barbotière. Installé. Oula. Alors, je vous l'avais dit, hein, les deux ans, ils ont du gaz. Ils sont moins timides que les petits foals. La Barbotière, je ne vous l'ai pas dit, il n'y avait pas seulement Great Pretender, en tout cas ce printemps, qui faisait la montre, il y avait aussi Apsis. Apsis qui s'est illustré d'ailleurs ici même avec un bon AQPS entraîné par Alain Coutil. Ok, merci au 43. Donc le 44, bon, on l'a vu avant. C'était donc Vidi des Mottes, la jolie Saint des Saints que vous avez vu juste avant. Donc désormais, le 43 qui quitte la scène va laisser sa place au numéro 45, Vieni Sissi. Une pouliche née le 25 mai au Haras du Saz chez Roger Simon. Donc early march. Encore une fois Early March, on a déjà vu il y a quelques minutes un produit d'Early March. On a vu des foules aussi ce matin. Et voilà un nouveau produit d'Early March par Je te donne. Célèbre tube de Jean-Jacques Goldman, que vous écoutez tous, on est sur Radio Nostalgie pendant la Sur la route. Early March et Je te donne par Ancalca. Au niveau de la souche maternelle, c'est Urta, c'est Sirta, c'est donc bien sûr la souche du Haras de la Rousselière, Nelly et Pierre de la Guillonnière à la base, dont une branche a été donc reprise par Roger Yves Simon au Haras du Saz, et cette branche lui a déjà donné quelques bons chevaux, en l'occurrence Urta, qui est la mère de Oni Oni. De victoires et la mère de Gospel 4 qui conclut 10 victoires, dont 9 en obstacle. Plus près de nous, Je te donne, donc la mère, a donné naissance à Retour de Nuit qui lui a gagné 8 courses en obstacle et qui a terminé 3e du grand steeplechase de Waregem. À deux reprises d'ailleurs. La mère est parent Calca, mais alors qu'on ne voit plus trop dans les pédigrés maternels. La souche de Sirta, je vous disais qu'elle était célèbre. Pourquoi elle est célèbre? Parce que ça a donné Sirta avec un C, comme vous pouvez constater sur le tableau de pédigré de votre catalogue, mais aussi Sirta avec un S, qui a été 4e du grand steeplechase de Paris. Double lauréate de liste à Hauteuil, et plus près de nous, Terramen, Macario, Skirta, Josei, Christine. Une foultitude de bons chevaux qui ont tous à quelques rares exceptions près, a été entraîné par Étienne Linders, comme d'ailleurs un succès, un des derniers bons chevaux actuels de cette souche. Un succès, cheval qui a gagné en débutant à Nord-sur-Erde avant de terminer deuxième, ici même, du prix de Lille Brillant, un fils de Denham Red.
mère était bonne, déjà, je te donne. Elle a gagné 4 courses. Gagnée en débutant, en plat, parcourue en plat, elle a été directement en obstacle, où elle compte 3 victoires et une place pour 4 courses. Vous voyez, un pourcentage de réussite assez impressionnant pour la mère. Je te donne. Alors, là, en l'occurrence, Vieni Vini ici est le 4e produit, je te donne. Chanting ? Allez, au petit trot. Ça va. Ah, à présenter, je te donne au trot. La fille de je te donne au trot. Merci. Thank you very much, disent les juges, puisque nous avons un jury franco-britannique qui s'exprime dans la langue de Shakespeare. Et donc le 45, la fille d'Orly March quitte la scène et va laisser sa place au 46. Au 46, il est bien là, parce qu'on avait tout à l'heure un cheval du Rennes de la Rosseleur qui était absent. Donc, oui, donc c'est ça. Le 46 est absent, donc on va passer directement au 47. Donc, voilà, le 47 qui arrive. Donc je vous rappelle, le 46 est absent, donc voici, sur cette carrière, le 47 Val de Cire, présenté par Alain Couetil. Alain et Jean-Luc Couetil, dont on parle beaucoup depuis le début de cette session 2011 du concours du show à QPS, du Lyon-Angers. Alors, Val de Cire, une fille, de Écoueri. Écoueri qui a fait un gagnant de prix finaux en obstacle. Écoueri qui fait la monte actuellement au Haras des Brousses, chez Jean-Claude Campos. Dans la Vienne. Et Query qui, si je ne m'abuse, est le père de Tulipe du Seuil, qui est une excellente pouliche Tulipe du Seuil, qui est une des co-favorites, sinon la favorite d'ailleurs, du prix de Cran demain à Longchamp, donc le prix de Cran, hein, l'Arc de Triomphe des AQPS, en fait, la meilleure course aux plates du programme de l'année intergénération, qui dispute demain à Longchamp. Donc voilà pour Query. Maternellement parlant, ce 47 est une fille de Lazari. Donc toujours cette même souche, hein, cette même souche dont on a beaucoup parlé depuis le début, donc depuis ce matin. Lazari, une fille de Bobinski, n'est autre que la mère de Usari. Bah, c'est celle-là, la fille de Apsis, qui a gagné le prix de Lille Brillant cette année, après avoir débuté victorieusement à Cholet. C'est-à-dire que nous avons ici la sœur de la meilleure, ou en tout cas une des meilleures pouliches AQPS de la saison 2011, pour les 3 ans bien sûr. Usari qui est par Apsis, et là nous avons une fille de Écoueri.
Là, les juges sont mis devant, devant la pouliche pour évaluer donc ses aplombs. Merci à Val-de-Cyr. On va appeler désormais le 48 Viva Libertad, présenté par la famille Ayer, installée à Nord-sur-Erdre, dans la Loire-Atlantique. Et voilà, c'est donc Frédéric Ayer, en personne, qui va nous présenter cette Viva Libertad d'une fille de Robin des Prés. Ben, ça fait partie des derniers, sinon la dernière génération de Robin des Prés française en tout cas, puisque Robin des Prés qui faisait la montoire de la Haineuve chez Alain Régnier, c'était son seul étalon d'obstacle, frère cadet ou aîné de Robin des Champs d'ailleurs, Robin des Prés, eh bien il a été vendu comme étalon outre-Manche. Mais il reste des produits en France, et en l'occurrence, c'est le cas de ce numéro 48, Robin des Prés. Et Myrquille, une fille de Passincelles, tout le monde aime Passincelles, l'éternel Passincelles, patriarche des haras nationaux. Alors Myrquille, elle a gagné deux courses, à Luçon et à Guercouéquidan. Donc c'était une jument agile, la mère. Elle a gagné aussi deux courses en obstacle. Et cette fois-ci, c'était à Nantes et à l'Andivisio. Elle a été aussi pressée à plusieurs reprises à Auteuil. Donc, belle carrière que cette Myrquille qui a accumulé 68 000 euros de gains. Et Myrquille est aussi la mère d'une autre bonne jument, c'est Narquille. Myrquille est la sœur, pardon, de propre sœur même de Narquille, puisque ceci n'est pas Sincelle. Bonne jument de course, Narquille. Gagnante à Saint-Malo et en plat, et gagnante à Pau en obstacle. Voilà, Viva Libertad, au trot. Donc c'est toujours le même cérémonie. Là, pour les présentations des chevaux à QPS ou divers concours, à Deux-Six, ça se passe exactement de la même façon. Les chevaux sont présentés d'abord arrêtés, ensuite au pas, et ensuite au trot. Donc cours de modèle et allure, je le précise. Hop là, une petite pirouette pour Viva Libertad. Heureusement, Frédéric Ayer avait un bon réflexe, elle a pu garder sa pouliche en main. Pouliche qui est née le 8 mai. All right, thank you very much. You're welcome, effectivement, nous dit Yannick Fin dans un anglais parfait. Et on va donc demander désormais en scène le numéro 49. Voilà, le 49, c'est Vainé du Taber, qui appartient à Alain Faucheux. Alain Faucheux, propriétaire, qui est en train de réduire considérablement son activité de propriétaire. Donc il nous présente Vainé du Taber, qui porte le numéro 49. Une fille de Denamred, Denamred étalon hara de la Rousselière, Denamred le père d'un grand groupin au QI, Kazakh Détré, Denamred le père aussi de ce cheval dont je ne me rappelle plus le nom, qui a gagné le grand steeplechase
de Cran sous l'entraînement de Gilles Chignon, il y a 2 ou 3 ans. Vainée du Tabert est une fille de Chabois, jument de talent à Chabois. Jument de très bon talent. Elle portait déjà la casaque d'Alain Faucheux, Chabois. Elle a gagné 3 courses, dans le prix de la Rosselière, qui est une épreuve importante ici pour ce plat pour la QBS. Et Chabois est une poulinière plus que confirmée, qui a donné naissance à plusieurs vainqueurs, mais surtout à Nazca, la fille de Grand Trésor, qui était extrêmement impulsive, Nazca, qui allait devant, vite et loin, et qui, ça ne l'a pas empêché, ce type de tactique, ça ne l'a pas empêché de gagner le prix Gaston Després, hein, qui est donc le grand steeplechase d'Angers. Elle a aussi gagné le prix du Château de Cran, à Cran, grosse sauteuse, Nazca, entraînée par Ramel Leclerc. Voilà, donc la sœur de Nazca, par des Namred. Alors autant Nazca était un peu fofolle, mais en digne fille de Grand Trésor, qui n'était quand même pas un cadeau à travers ses femelles. Ici, avec Denham Red, on va sûrement tenter de ramener un peu de, disons, de pondération. Thank you very much, merci, merci au 49. Cette fille donc de Denham Red, qui va être suivie en toute logique par le 50. L'écurie de Maine qui s'est distinguée ce matin avec le succès du lot numéro 21, voilà, la fille de Piaget, et qui nous propose ici, eh bien tout simplement, tandis qu'il y a eu une attaque contre les, juges, voilà, une inverse surprise qui s'est abattue soudainement sur le dos des juges. Ils sont anglais, ils sont habitués. Bref, Nesli Breuer, bah c'est tout simplement la mère de la gagnante de ce matin, donc cette pouliche baie brune très foncée avec beaucoup d'os qui a remporté sa section. Et ici, c'est sa sœur aînée par Absis. Dont le modèle n'a absolument rien à voir. Voilà, quelques rappels sur le pédigré. Donc la mère, elle est par Vansonien. Et la mère, c'est la sœur de Espoir Bruer. Un bon cheval, Espoir Bruer. Bon, ça remonte un peu, il est né en 92, mais enfin quand même. 5 victoires et 84 000 euros de gains. À l'époque, dans les années 90, où les gains d'Auteuil, enfin les allocations proposées en obstacle à Auteuil et même partout en France, étaient encore assez nettement inférieures aux gains qui sont proposés actuellement. Voilà donc Vesti Breuer, c'est son nom, présenté par l'écurie du Maine, à la Chapelle sur Oudon, dans le 49. Au trot,
Voilà, on va aller voir, on va voir la pouliche se mouvoir au trot. Allez, encore un aller-retour. Ok, merci. Merci à Wesley Bruer, le 50, qui va laisser sa place, sauf en sorte de dernière seconde, non, au numéro 51. C'est bien ça. Oui, voilà, c'est bien 51, qui s'appelle Violette Duclos, présentée par Constance Baron-Losfeld, une fille de Tôt ou Tard. Alors, Tôt ou Tard, un étalon qui fait discrètement la montre au Rat de Préau, en Normandie, qui a été très très peu utilisé dans le monde de la QPS. Donc voilà, c'est une rareté qu'on voit ici. Tôt ou Tard, un étalon efficace. Ça y est pas beaucoup, mais il fait des bons shows, Tôt ou Tard. Fils de Robalino, c'est le seul fils de Robalino d'ailleurs, qui est étalon en France. Robalino, c'est un super mileur anglais, chaud très dur, fils de Roberto. Bien, en termes maternels, nous avons déjà vu cette origine ce matin avec des foals, puisqu'on retrouve cette origine pur sang à la base, où on a Exotic Dancer, où on a Pasquale, où on a Dolores, des noms hein, quand même, hein, des noms d'Auteuil et des noms de l'Angleterre. Et une souche qui s'est transformée en AQPS de par le croisement de la mère qui s'appelle New Course, de Herbe Sucrée, la grand-mère, pardon, de Herbe Sucrée avec Chef de Clan. Chef de Clan, un étalon marqué AC parce qu'il est né en 90. Aujourd'hui, il s'est considéré comme Ondoara puisqu'il est un étalon ayant Ondoara à 12,5%. Donc, Chef de Clan, toujours vivant d'ailleurs, Chef de Clan, qui est le père de Yclan de Molière, vainqueur du Grand Cross de Cran. Voilà, donc le 51, merci. Merci, merci, merci pour le 51. Et on va arriver donc au 52. Le 52, elle s'appelle Volitamum. Ah, ça enchaîne. On l'a déjà, le 52.
qui arrive au grand trot, Volitamum, une fille de Lesotho. Alors, la famille maternelle, on en a parlé déjà plusieurs reprises ce matin à propos de tous les déchets qui sont passés. Momonde, le héros français qui a battu l'anglais sur son terrain. Momonde, Pêchemonde, Calcamonde, Sagamonde, Main Joyeux et plein d'autres. Plein d'autres comme Surfait d'ailleurs. Surfait qui avait gagné 14 courses sous l'entraînement d'un tout jeune entraîneur quasiment débutant à l'époque, c'était Philippe Pelletier. Lesotho, son père, il me semble que ça doit être la dernière génération de Lesotho. Lesotho qui a fait l'immense majorité de sa carrière au Ras des Grands chez Mathieu Dagues-en-Garros. Étalon réputé pour faire des chevaux de course, des chevaux solides, des chevaux sérieux, des chevaux vraiment des chevaux de course, des compétiteurs. Et Lesotho qui a fini sa carrière au Ras du Grand Chênay. Lesotho qui a quand même été le père de 177 vainqueurs individuels, hein, dont un gagnant de groupe 1 en obstacle en Angleterre. Non, en Irlande, c'est Paul Maher. Lesotho est surtout connu pour ses chevaux de plat, ce qui est assez logique puisqu'il a fait la monte dans une région de plat, le sud-ouest, le Ras des Granges. Mais Lesotho a fait aussi un gagnant de groupe 1 en obstacle. Donc Paul Maher, en l'occurrence, c'était en Irlande. Sur le chase en plus, hein, pas sur les petits balais, les hurdles où il arrive à sauter. Non, non. Sur les vrais obstacles, c'est-à-dire le steeplechase redoutable de Leopardstown en Irlande. Et Lesotho donc a fini sa carrière au Ras du Grand Chênay, un Ras du Grand Chênay qui a reçu une très bonne nouvelle, puisque le Ras du Grand Chênay reçoit un nouvel étalon, c'est Anna Bablou. Anna Bablou qui arrive au Ras du Grand Chênay pour y accomplir la saison 2012, envoyée par le Ras des Tréhants. Ras des Tréhants qui est représenté ici par Franck Champion d'ailleurs, qui nous a fait savoir que le box d'Anna Bablou à l'écran ne resterait pas vide. Donc Anna Bablou qui s'est distinguée, ça ne pouvait pas mieux tomber, il y a quelques jours avec Zinaba, lauréat du prix Quincey. D'Auteuil. Et c'est pas le seul étalon qui va arriver au Ras du Grand Chênay l'année prochaine. Enfin, en l'occurrence, Anna Bablou est déjà arrivé, donc vous pouvez aller voir. C'est tout près d'ici. Il y en a un deuxième étalon qui va arriver, c'est Diable Neyef. Le Diable Noir, Diable Neyef, le père d'Elios Kirkus, qui avait débuté sa carrière au Ras de la Rousselière, à l'époque, avait voyagé un petit peu. Acheté par le Ras du Ténère, envoyé au Ras Duplay, voilà un petit coup de mémoire, au Ras Duplay, et puis acquis l'année dernière par l'équipe du Ras du Grand Chênay, mais qu'il avait envoyé au Ras du Fruitier dans la Libre, parce qu'il n'y avait pas de place. Et là, le cheval revient à la maison, Diable Neyef. Voilà pour toutes, c'est de même belle histoire. Donc je vous rappelle, si vous voulez voir plein d'informations sur vos étalons, pour faire votre choix d'étalons, pour voir des professionnels, des éleveurs, des bourreurs, entraîneurs, vous pouvez feuilleter le catalogue, vous allez trouver plein de fiches foncières.com sur les étalons, les éleveurs. Des étalons originaux, mais aussi des étalons normands et aussi des étalons venus du centre. Puisqu'on a par exemple les fiches des étalons de Nicolas de la Genette ici présent. Costa Pass, Lavron et Lavroc. Lavron et Lavroc qui font un montant juste à côté d'un autre, mais qui n'ont strictement rien à voir en termes de pedigree. Merci au 52 qui va laisser sa place au 53, la Mayenne. Ah, ça enchaîne. Voilà, tout de blanc vêtu pour une jument noire. Un film de Jim Jarmusch, formidable. Le 53, Very Easy de Vièvre. Par l'élevage de Vièvre, c'est-à-dire Julie Baudard-Aubert à Astillé, dans le 53, une fille de Network. Ah, attention, dans Network. Network qui est donc troisième cette année au Rocodor 2011. Donc le Rocodor, je vous dis, si vous ne le savez pas, c'est une distinction très importante décernée par France Cire à l'étalon qui a essayé plus de juments cette année. Donc il est troisième au classement.
derrière, à égalité, Balingari et Le Havre. Le troisième, c'est donc le 138 juments pour Balingari et Le Havre. Le troisième, c'est donc Network, le père, dois-je le rappeler, de Volleyball. Network qui faisait la, qui a fait la montre cette année à Trébans, dans la vie. Maternellement parlant, cette pouliche. Est une fille au Cliff, femelle issue de Bullington, qui a un étalon pas très connu, mais qui est sans doute passé à travers de sa carrière. Bullington, un cheval intéressant, pourtant sur l'entraînement d'Henri Alex Pantal. Et c'est la souche, la même souche que Souhait, qui a été la première gagnante à 3 ans à Sonone, puis la première jument classique de son jeune père, Califet. On a dans cette famille également Cadrix de Marais, Oiseau de Nuit. Plusieurs bons chevaux qui font que en fait, Souhait n'était pas une exception. Merci au trot pour cette fille de Network. C'est signé par le père, on doit dire, en termes de pays, en termes de modèle. Voilà, Network. Donc qui a fait Ruby Ball Shellman, mais Network qui est un bon étalon de jument d'ailleurs. Tout à l'heure on a vu Casey Chazzo, son de Network, propre son de Network, issu de la même, même père, même mère, qui s'est déjà donné une femelle. Il y a eu aussi Kinine de Mazie dans les bonnes de femelles de Network. Un étalon d'obstacle qui sait faire des femelles, ça tombe bien parce que là nous avons affaire à une section de femelles. Very Easy de Vièvre. Merci au 53. Qui. Ah là là, on enchaîne, qui est aussitôt suivi par le numéro 54. Vanilla Wood. Et là vous allez tressaillir l'écoute de son père, c'est Lavirco, le défunt Lavirco. Mort un 21 novembre 2009. Sous les pleurs de tout son entourage et également de toutes les juments de seconde zone qu'il avait essayé en arrivant dans l'Allemagne au haras national du Pin, où il n'avait pas eu une bonne jumenterie, la Vierco, et pourtant ça n'avait pas empêché de sortir plein de très très bons chevaux. Ça c'est de la Virco, monsieur Foin. Alors on garde bien parce que la Virco, on aime bien forcément. La Virco et Ozibel du Lion, présenté donc par Soïc Guérin dans Lille-et-Vilaine à Saint-Senoux. Ozibel du Lion, sa mère, dont elle est le premier produit. Ozibel du Lion, fille du rare Rajput, était très bonne puisqu'elle a gagné le prix Cloris à Saint-Cloud. L'épreuve qui se dispute au mois de novembre en général dans le terrain. Et c'est la famille de Azabel du Lion, Ebel du Lion, Fort Belle du Lion. Alors Ebel du Lion, Fort Belle du Lion, bien sûr, c'est Serge Hamon, Azabel du Lion, et c'est le Lion d'Angers. Super jument de crosse, monté par un gentleman rider au talent démesuré, Philippe Fouché himself. La fille de la Virco va se présenter au trot, elle s'appelle Valinia Wood.
à la Lobe aux Fouets, c'est Arnaud Bédoué. L'écurie des Noé installée à Pourzy, juste à côté de Sonone. Des bourrages pour entraînement. Un pouliche qui est quand même très signé par son père. Hein. Voilà, donc le 55 et le 56 sont absents. Et c'est donc pour ça qu'on va passer directement au numéro 57, qui s'appelle Vesta Desmotte. Et là, attention les yeux, nous venons de voir une fille de l'Avirco. Nous avons eu du Saint-Dessin avant, et là maintenant on passe à Ascarabad. Un des étalons les plus convoités de France, le père du crack défunt qu'Estarabad, mais pas que ça, hein. Ascarabad a fait plein de bons chevaux, notamment Outre-Manche, où il est très très demandé à Ascarabad. Et là, c'est une pouliche présentée par l'écurie Desmotte qui a recruté dans les rangs de l'élevage d'Armand Humeau la mère Nelly Sableux. Souche extrêmement solide, il suffit de jeter juste un petit coup d'œil sur le pédigré, sur la page de catalogue, pour se rendre compte que c'est vraiment une souche hyper solide. Ulysse Morinière, en 100 ans, monté par Gigi Mansouf, sous l'entraînement d'Étienne Mignère, s'avait battu à la lutte. Cachas Moussel dans le prix du Bourbonnais à Évry. Cachas Moussel qui était en scène, lui, sur Useful. Vous voyez comme les histoires se coupent et se recoupent. Donc ça, Ulysse Morinière, on parle de la grand-mère de cette pouliche de Ascarabad, qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des juges. Ascarabad et Mélissa Bleu, triple lauréate, sous la férule de Florent Mounier. Une fille de Épervier Bleu. Donc Ulysse Morinière, qui est toujours vivante d'ailleurs, est devenue une grande matrone. Florella, Sardolflor, Goldolissa, Philéa, Ulysse Royal, Tonic Mélis, partie d'Angleterre, Onolissa. Sardolflor qui ouais, qui vient de gagner le grand steeplechase de Clairefontaine, Sardolflor. Un petit doute. Voilà, c'est bien ça. Là, sous la casaque de Pegasus Farm, c'est le demi-danseur. Donc nous avons ici la cousine par Ascarabad du dernier gagnant du grand steeplechase de Clairefontaine. Et bien d'autres vainqueurs. C'est un papier en béton armé. Très beau jeu de jambes. Très beau jeu de jambes pour cette Vesta Desmotte, fille d'Ascarabad. Ça, c'est bien des sous-jumeaux, hein, des juments de caractère. Et qui savent viser juste que ce soit contre l'homme au fouet ou face à l'objectif de la victoire. Pouliche énergique, comme vous pouvez le constater, on dort rarement chez les Desmotte.
Ok, merci à cet Astarabad. Avons-nous à la suite... Oui, c'est cela. Je vois arriver les Quetils Brothers à grands pas. Et c'est donc pour nous présenter Gentle Wave, une fille de Gentle Wave. Une deuxième fille de Gentle Wave, on en avait une un peu plus tôt. Elle s'appelle Violaska, présentée par Alain Quetil. Donc ça, c'est la branche Alain. Donc il y a des branches Jean-Luc et des branches Alain, on a vu ce matin. Ils se sont même affrontés d'ailleurs en finale d'une... En finale du championnat des poules. 58. Ilaska. Violaska, pardon, par Ilaska. Ilaska, c'est le nom de la mère, ici de Dresse Parade. Cheval qui a fait la monte dans la Manche. Qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Dresse Parade, c'est amusant parce que c'était le premier fils de Saddle Swell qui s'est installé des talons. Pour un national. Saddle Swell, qui depuis est devenu le père, le grand-père de centaines d'étalons, et bien le premier c'était Dresse Parade, sa première génération. Le père de mère de cette 58 par Gentle Wave, Violaska, est la sœur cadette de Sweeney. Sweeney Lavirco, qui a couru deux fois dans sa vie et qui a gagné deux fois. Donc toujours la souche de Honnay, Grandi, Caruso, Soyoung. Et plus récemment, encore plus récemment, parce que là je vous parle que de chevaux qui ont couru il n'y a pas très longtemps, c'est Usari, donc je vous en parlais tout à l'heure, la gagnante des prix de l'île Brillant au Lion d'Angers cette année. Tout simplement. Voilà, Violaska qui va nous être présentée au pas, puis après au trot. Donc, tenue en main par Alain Quetil. Alain Quetil qui est son éleveur et qui sera probablement son entraîneur. Allez, au trot. Merci. Merci Alain qui tient lui-même ses chevaux. Alors vous voyez, contrairement à ce que disent les entraîneurs de trot, eh bien les entraîneurs galop savent travailler eux aussi de leurs mains, puisqu'ils emmènent eux-mêmes les chevaux se présenter devant les juges. Le plus grand amusement de leur jockey d'ailleurs, qui en profitent pour se prélasser. Et regarder pour une fois leur boss travailler à leur place. Alors, c'était le dernier numéro de cette section de femelles. Donc on va laisser les trois juges établir leur classement, donc deux juges anglais et Nicolas de la Genette, qui n'est pas anglais mais qui vient de l'Allier, du Rat de Saint-Voix. Un jury prestigieux. Thank you.
Donc Nicolas Dagenet est entouré donc par deux juges anglais, donc avec la chemise rose et avec la chemise rose et la cravate bleue, c'est David Futter. David Futter qui possède un des plus gros haras d'obstacles en Angleterre, Yorton Farm, qui d'ailleurs a recruté l'année dernière Soulamani. Soulamani qui faisait la monte au haras du logis et qui a été acheté par donc David Futter, qui est issu ici avec sa chemise rose, et aussi par l'intermédiaire de Richard Venn, qui a été tout à l'heure l'homme qui a désigné le champion suprême des mâles. Avec la veste typiquement anglaise, l'autre juge s'appelle Monsieur Chris Gordon, je vous les présente parce que vous ne les connaissez sûrement pas. Chris Gordon, qui est un entraîneur dans le Hampshire, et qui est un ancien champion des point-to-point en termes de cavalier. Plus de 50 victoires, il a été champion 3 ans de suite. Et désormais, c'est un jeune entraîneur à succès pour l'obstacle. Et je vous précise que ce sont deux personnes qui n'étaient jamais venues au Lion d'Angers. Et donc, ce sont des grandes premières. Avec donc une délégation dépassant les 10 personnes venues d'Angleterre. Amenées par Richard Venn. Et personnellement, j'ai entendu aussi beaucoup parler anglais dans les travées de ce choix du PS Lion d'Angers supplémentaire. Not finished? Not yet? 2 seconds, ok. On va attendre encore un petit peu pour avoir le classement de ces femelles de 2 ans. Alors attention, plus que quelques secondes avant d'avoir le classement des femelles, jugées avec sagacité par notre jury international. Alors, qui a le classement ? C'est Nicolas. Alors, en 5e position, je commence par le 5e, c'est pour faire durer le suspense, s'il vous plaît. Alors, number 44, c'est-à-dire le 44, Vidinemotte, la Saint-Dessin, en 5e position. En 4e position, the 51, c'est-à-dire le 51, Violette Duclos, la Taoutard. Alors, à égalité pour l'instant, les juges demandent à revoir et à comparer les deux chevaux suivants, qui sont pour l'instant donc à égalité entre les 2 et 3e places. C'est le numéro 39, le 39, Valeur des Obos, la Capgarde, et le 43, Vega de Vège, la Great Pretender. Et en première position, Vesta Demotte, le 57, par Astarabad. Alors on va demander à tout le monde de venir. Alors je vais vous donner les suivants. Alors je rappelle, 57, Vesta Demotte, dont votre commentateur n'est pas peu fier. À égalité, pour l'instant, hein, ça va se départager, mais le 43 et le 39. Pour l'instant, le 43 et le 39 à égalité. Ensuite, le 51 qui est 4e. Et le 5e, c'est le 44. Les suivants sont, dans cet ordre, le 47, le 42, le 54, le 45, le 41, le 52, le 48, le 53, le 50, et enfin le département du Maine-et-Loire, le 49. Bravo à ces pouliches. C'est long la journée, évidemment. On va demander de venir. Alors on va changer un petit peu l'ordre, on va pas faire dans une montre, parce que la caméra est là, donc on va plutôt mettre la première, plutôt par là, ça va être quand même plus sympathique pour nos nombreux internautes, téléspectateurs. Donc en fait, partez de là,
Partez par la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre en fait, on va tourner. Dans le sens des aiguilles d'une montre et on va caler la première qui est là, à Starabad. C'est elle qui a failli shooter mon frère tout à l'heure, donc je vais quand même faire attention, n'est-ce pas? Si vous voulez que je finisse le commentaire. Donc on va la caler là. Voilà, plutôt vers l'angle, puisque la caméra est par là. En deuxième position, nous avons... Ah, bah oui, alors on va les mettre juste à côté l'une de l'autre, le 39 et le 43, parce que là, il y a hésitation par rapport au juge. Voilà, le 39 et le, 40, le 43, c'est ça? Voilà, en quatrième position, c'est la Toutar, c'est là, c'est ça? Ouais, le 51. Et en cinquième position, le deuxième des mottes, la Saint des Saints, qui porte le numéro 44. Les voilà. Ah bah, elles sont là. Elles sont toutes face à vous. Vous pouvez en profiter. Donc la gagnante est à droite, la fille d'Astarabad. Bon, on va faire un petit peu attention, hein. Faut tenir les chevaux, monsieur. Faut pas les laisser respirer les autres, sinon ça finit mal. Alors, la tête du concours est là, le 57 a gagné, c'est celle qui est près de la barrière. Et là, alors voilà, on va savoir qui est deuxième entre le 39 et le 43, c'est pour ça qu'ils sont juste à côté. Nicolas ? C'est deux très belles pouliches, très expressives, mais pas faites dans le même moule. C'est le numéro combien? Le 43, une belle pouliche profonde et avec un très beau dessus. Très belles allures. L'autre, le 39, est très un peu plus racing night. Encore. Un petit peu de profondeur par rapport à l'autre, mais c'était une pouliche qui avait une très bonne locomotion. Je vais voir mes collègues. Donc les deux juges anglais ne sont pas d'accord. Les deux juges anglais ne sont pas d'accord. C'est donc Nicolas qui va trancher et qui va nous parler après de la gagnante qui, elle, fait l'unanimité dans quelques instants, c'est le 57. Mais pour l'instant, nous en sommes toujours à savoir qui est deuxième de ce concours entre le 39 et le 43. Alors Nicolas reprend ses notes, il arrive à se relire. Il a marqué bien partout, donc forcément, c'est compliqué. Si
choisissons la numéro 39 en seconde position. La 43 ayant été jugée légèrement cagneuse intérieure gauche, légèrement offset, mais c'était une très bonne pouliche également. Donc c'était difficile, mais voilà, donc on a choisi la numéro 39. Alors maintenant, Nicolas, on va parler de la gagnante. Honneur à la première. Le 57, qui est là. Là, voilà, elle est juste devant. Un mot de commentaire, peut-être, Nicolas, sur le 57. Pourquoi vous avez décidé, à 3, de la mettre en première position? On a été bien d'accord tous les trois. C'est une pouliche qui est très expressive, qui est très racing-like, comme disent les Anglais. Jument de course, oui. Avec une super locomotion. Elle nous donne envie d'aller aux courses. Eh bien, elle donne envie d'aller aux courses. Eh bien, c'est ce qui va se passer, parce que cette pouliche a quand même un profil pour être capable de courir à 3 ans. Allez. Hop, à la photo. Bravo, on est bien content. À la photo pour la remise des prix. Par... je me fais prendre en photo moi aussi, ça c'est bien. Voilà. C'est la discret. Merci, merci. And one judge. Where did the other judge? He wants to go to the, on the photo. Oh, yeah, they... Keep on both. Vous avez la chance d'avoir deux Anglais autour de nous. Un entraîneur et un patron de Haran, un grand Haran d'obstacle en Angleterre. Ah, mais Nicolas aussi. Ben alors, c'est la photo de Peggy. Parce qu'il y a des bouteilles de champagne cachées juste derrière, c'est pour ça qu'ils viennent tous. Comme s'ils n'en avaient pas assez bu hier. Regardez, regardez, regardez la petite oiseau. Eh bien, une belle victoire dont on peut profiter. Et merci Gaëtan qui nous a amené cette très jolie pouliche d'Astarabad. Avec lequel, comme disait Nicolas de Lagenette, on va pas tarder à aller aux courses. Voilà, un petit tour d'honneur. Le public va se mettre au milieu, on va éviter les coups de sabot quand même. Attention, et la première va partir. Attention Nelly, Nelly, attention parce que... Oui. Voilà, on va distribuer les plaques et puis après, faire le tour d'honneur. Who is the honor of... Nicolas de Wilder. Ah, le voilà Nicolas, pour recevoir sa plaque. Puisqu'il a terminé donc deuxième. Après un jour. Voilà. La plaque donc pour la deuxième. Donc après une longue hésitation du jury, la deuxième. Bravo à la première encore. La deuxième, c'est donc le 39. Et la troisième, c'est donc le 43. Donc la 39, c'est valeur des obos. Voilà, voilà. Le 43, donc, a fini troisième, c'est la Great Pretender. Donc voici une rareté dans le monde de la QPS, c'est donc le 51. Une tôt ou tard. Et la cinquième. Attention, ils vont marcher. La cinquième, c'est une Saint des Saints. Que voici, qui s'appelle Vidi Demotte. Alors voilà, à tour d'honneur. On va commencer à faire marcher les poulies. J'aurais fait attention parce qu'elles sont fraîches quand même. Hein, avec la ville d'Astarabad qui s'est imposée dans ce championnat des femelles de 2 ans. C'est le deuxième produit de la mère, donc une jeune poulinière. La mère Nelissa Bleu qui a une fille yearling de Blue Brésil, d'ailleurs. Et Nelissa Bleu qui est pleine de chichi crazy, étalon au haras du Grand Chenet,
étalon appartenant en partie à Yannick Foin, qui a offert très généreusement deux saillies de Chichi Crazy lors de la réception d'hier soir. Chichi Crazy, un fils de Chichi Castelango, très intéressant. Très intéressant, Schalke a battu l'Oman à deux reprises. Bien, donc voilà, vous pouvez profiter des pouliches qui passent devant vous. Puisqu'après, on va passer aux mâles. Et alors donc, pour la même, de la même façon que ce matin, après les mâles, on va rappeler le 57 et le gagnant des mâles. Et il va y avoir la désignation du champion suprême des deux ans du Lyon d'Angers 2011. Donc on va enchaîner rapidement avec les mâles. Donc on va aller récupérer nos juges, dont Yannick Foin, qui a été victime d'une terrible chute hier, en pleine action, mais qui est toujours là. Bah c'est lui le propriétaire de Chichi Crazy. Alors, on va demander aux spectateurs qui seront au milieu de la carrière de faire place, parce que les mâles vont arriver. Les mâles vont arriver, donc il va falloir faire place, laisser la place pour les mâles, qui attendent déjà, là, ils sont là. On va demander aux juges... Ben, de juger, ils sont là pour ça. Hop, allez, on va laisser la place aux chevaux. On va laisser la place aux chevaux, on va laisser la place aux chevaux, les deux ans attendent. Hop, hop, hop. Messieurs, qui concilient à bulle, on va laisser la place aux chevaux, merci. Nicolas, Jean-Marie, allô, allô, les chevaux vont arriver, les deux ans mâles vont arriver. Il est déjà 16h15, donc on va essayer d'enchaîner assez rapidement. Attention, les chevaux arrivent. Allez, attention, les chevaux arrivent. On y va. Les juges sont-ils prêts, Michel? Les juges?
Yes, these are colts, effectivement, ce sont les mâles. Allez, c'est bon. Nos juges sont réunis. Donc nous avons toujours notre trio. David Fetter, propriétaire de Yorton Stud, grand haras d'obstacles en Angleterre. Chris Gordon, entraîneur dans le Hampshire, entraîneur d'obstacles. Et donc Nicolas de la Geneste, du haras de Saint-Voire dans l'Allier. Pour nous parler de ce numéro 60. Alors le 60. Le 60, c'est Volmôme, 6 de Network. Aha. Attention. Fils de Network, présenté par Alexandre Descher, qui a troqué sa toque blanche de tout à l'heure pour une toque Bordeaux, Gibson et Rivers. Et il a été l'attraper sans doute au stand Gibson Rivers, puisqu'ils sont là. Et donc Volmôme Network. Et Panoramic. Alors Panoramic, c'est un cheval qui est mort à 24 ans. Enfin, tout le monde connaît ici Panoramic, puisqu'il a fait la majeure partie de sa carrière. Ce cheval qui était bégu d'ailleurs. Ici au Rat National, une longée. Et il est mort de sa belle mort il y a 3 semaines à La Clette, dans la Saône-et-Loire. Network et Ifani. Ifani, on a vu un foal d'Ifani ce matin. On a vu un foal mâle. Un foal mâle de Deflight, voilà, d'Ifani ce matin. Et voici le 2 ans par Network. Donc toujours la même souche, Calcamon, Pêchemon, Sagamo, Mon Môme. Et là, en l'occurrence, Ifani, elle a donné naissance à Rapid Môme, fille de Romain de Saddle qui est gagnante. Donc ça, c'est le premier mâle de la série. Il y aura une petite quinzaine de mâles qui vont se présenter très exactement. Autre ? Oui. Alors voilà. Voilà le petit personnel de Alexandre Descher qui a subi les coups de boutoir du terrible patron, du terrible boss. Voilà, le 60 quitte la scène. Est-ce bien le 61 qui est au fond? Le 69? 59, pardon. Ah oui, Viking. Donc le 59 Viking présenté par Alain
Fauchu de Mordel, à côté de Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine, est un fils de Le Balafré. Le Balafré, le père de Paulard Rochelet, bien sûr. Le Balafré qui fait actuellement la monte à Pompadour. Et donc Viking est un fils de Haut Trésor, sa mère, une fille de Grand Trésor, comme son nom l'indique. Haut Trésor n'a pas couru, mais c'est la mère d'un bon cheval d'obstacle, Marcheferret. Marcheferret qui a gagné à Angers, qui s'est placé à Auteuil du prix Bercher. C'est la famille d'Auteuil, alors sans apostrophe, hein, vous savez qu'à cette époque il y avait d'Auteuil avec un apostrophe, d'Auteuil sans apostrophe, d'Auteuil sans apostrophe, Philoudretz et Mille Sabor. Donc le 59. C'est bon. Voilà le 59 et le suivant. Le 61 qui arrive, c'est Vasco d'Issy. Vasco d'Issy qui est présenté par l'écurie des Mottes, qui s'est imposé juste précédemment avec la femelle d'Arastaraba dans le concours des femelles. Gaëtan et Guéna, les piliers du Haras du Chêne, qui présentent Vasco d'Issy, un fils d'Equerry. Equerry, comme je le disais tout à l'heure, c'est le père de Tulipe Duceuil, qui est la favorite ou co-favorite du prix Cran demain à Longchamp. Et alors Vasco d'Issy, c'est le frère cadet de deux très bonnes juments qui s'appellent Royce Desmottes et Son Desmottes. Royce, bah deux juments classiques hein, à leur niveau, parmi les meilleurs de leur génération. Royce Desmottes a gagné les Guilledines, elle a gagné 6 courses au total, et Son Desmottes, elle a gagné le prix Florence Charrier à Moulins. Elle était deuxième des Guilledines et elle est partie en Angleterre et elle est revenue fort heureusement en France. Et elle dispute demain le prix de Cran d'ailleurs. C'est aussi la famille de Poutza Desmottes, classique en plat, mais aussi de nombreux chevaux d'obstacles. On pense à Cosmos Desmottes, Royan Desmottes, Elie Desmottes, gagnant de l'Istade à Auteuil. Voilà donc Vasco d'Issy, le frère de Son Desmottes, frère cadet de Son Desmottes, donc un poulain très bien né, père Equerry. Equerry avec un croisement sur Useful, la mère était par Tourangeau. Donc Vasco d'Issy, frère de Royce et Son Desmottes. Et de Umberto d'Issy aussi, j'oubliais quand même, parce qu'Umberto d'Issy, il a
fort bien couru cette année, deuxième au débutant des RZL des Mottes, et après deuxième dans la bonne course plate de Durtal, battu par un débutant qui avait été acheté 160 000 euros par Jean-Bertrand Ballarda, j'ai oublié son nom à ce cheval, appartenant à Alan Potts. Donc Umberto Dissi a terminé à une tête seulement de ce cheval pour lequel Jean-Bertrand Ballarda et son propriétaire avaient fait le déplacement. Et ils ont tremblé très très fort dans la phase finale, de peur d'être battus par Umberto Dissi, qui est donc le frère aîné, par Charming Room, de ce Vasco Dissi. Ok, merci au 61 Vasco Dissi qui va laisser sa place au 62. Le 62, à moins qu'il ne soit absent. Allô, allô, est-ce que le 62 est là? Ou est-ce que le 62 va arriver? Ou alors on passe au 63, Michel? Ok, Michel de Gigou, le président qui a pris une décision ferme. On passe au 63, puisque le 62 est absent. C'est marqué sur le catalogue, remarqué, il suffit de le lire. Vandouderi, c'est le 63 qui arrive au trot ici. Un fils de Della Francesca. Tout le monde trotte, même le patron. Della Francesca et Armat, donc du breton. Alors Armat, une fille de Marazali, Marazali qui a fait Florès dans l'est de la France. Il a beaucoup élevé notamment les élevages de Claudif Pelsi. Armat est une jument confirmée qui a déjà donné naissance à Plume d'Oudéry, deuxième du 14e du centre, à Vichy. Et plus récemment, un des bons 3 ans, et un des tout bons 3 ans de la génération, là, cette année, c'est-à-dire Urmat d'Oudéry, un fils de grand seigneur, qui a terminé deuxième du Critérium du Centre à Vichy et troisième du Prix de Lille-Briand au Lion d'Angers. Donc là, on a un frère cadet de Urmat d'Oudéry, très bon Urmat d'Oudéry, par Della Francesca, ce qui est évidemment quand même une autre envergure que Grand Seigneur, qui est le père de Urmat d'Oudéry. Thank you.
Voilà un poulain par Della Francesca qui, comme dirait Nicolas de la Genette, est très racing-like. Belle allure de cheval de course qui repart au trou ici. Ok, merci. Merci. Donc le 64 désormais. On rappelle que le dernier lot de la journée, c'est le 74. Donc il ne reste plus que 10 choix à passer. Non, 9 d'ailleurs, parce que dans le 9, le 62 est absent, ça on en a déjà parlé. 63, 64 désormais. Vanch, présenté par Jean-Paul Lalinec. Un poulain alsan par Briar Creek. Ou Briar Creek plutôt en anglais, fils de Blushing Groom, direct. Briar Creek qui a fait une bonne partie de sa carrière dans le centre de la France avant de partir en Bretagne. Briar Creek qui a eu un peu son dent de gloire il y a 2-3 ans quand il avait fait quelques doublés à Auteuil. Avec sa production, ici une souche typiquement bretonne comme vous pouvez le constater. Soariel, je ne sais pas en breton si on dit Soariel ou Coariel, qui est dans 90, qui a fait Quidel, Pelzo, Rastel, Skumdal, UL. Une souche de pur sang en fait à la base. Hein. La mère Soariel est à QPS parce que fille de Quitté Passe. Mais au niveau de la souche maternelle, à la deuxième mère, c'est du pur sang. Et dans les bons chevaux de cette souche, on a Spontus, pas Spontex, Spontus qui a gagné 10 courses plates et 2 en obstacle. 12 victoires donc pour Spontus, fils de Spoleto, dont on se rappelle. Qui est le frère de la mère. Voilà donc ce fils de Briar Creek présenté par Jean-Paul Lalinec de Plouguernevel dans le 22 de Côte d'Armor. La mère était bonne à Soariel, elle a gagné 7 courses, une en plat et des 6 en obstacle. Le poulain s'appelle Vanch. Alors ça c'est du breton. Ok, la Bretagne quitte la scène et va laisser sa place. Va laisser sa place à l'Anjou avec le 65. Alors attention, regardez bien ce 65 parce que c'est quand même un cas assez particulier. Il est présenté par messieurs Gabriel et Grégoire Linders qui ne sont pas peu fiers d'être pour la première fois éleveurs sous leur nom à eux. Leur prénom, en tout cas, éleveur associé, les frères amis Gabriel et Grégoire Linders. Et vu d'ici, joliment nommé, joli cheval d'ailleurs tout court,
Great Pretender n'est autre que le neveu de Crisetti, qui a remporté pour la deuxième fois le Grand Cross de Cran. C'était dimanche à Cran, donc à 11 ans, Crisetti qui a remporté sous les hurrahs du public, d'un public conquis, le Grand Cross de Cran 2011. Voici son neveu, donc, qui s'appelle Vu d'ici. Il est à QPS, pourquoi? Eh bien, figurez-vous que sa mère, qui s'appelle Cussy, Cussy est une fille qui était elle-même bonne en course, puisqu'elle a gagné à 4 reprises, dont le prix Joseph Carbérieux, qui a toujours une belle épreuve au Sable d'Olonne. Il a manqué le succès dans un classique de peu, puisqu'elle était deuxième du prix Cloris. Cussy est une fille de Useful, donc la QPS Useful, qu'on regrette tant. Et bien Cussy, c'est la sœur de Crisetti, mais aussi de l'artiste français et de Gondeline, deux chevaux d'obstacles que vous connaissez par cœur. 445 000 euros de gains pour Gondeline, 219 000 pour l'artiste français. Donc là, c'est une perle de l'élevage Linders, qui se situe, non point en Anjou, mais chez les parents de Christine en Normandie, tout à côté du Haras du Pin. Ici présent d'ailleurs, et ici aussi présent dans le catalogue. Vous pourrez feuilleter, quand vous allez garder le catalogue, feuilleter les pages d'élevage et voir quelques images, une présentation de l'élevage Linders de Gondouin dans l'Orne. Voici donc le neveu de Crisetti devant vos yeux. Allez, on va le faire trotter. Je vais le plein d'énergie, il en faut pour gagner des courses. Qui se présente. Allez Eugen, on va essayer de le refaire trotter parce que la première fois il a passé plus de temps. Wing là, hop là, il y a plein de grâce ce cheval. Très épais, très puissant. Allez, avec un peu de chance, on va l'avoir au trot. Hop là. Voilà, comme ça on l'a bien vu au trot. Merci. Et la latte qui a reçu les félicitations spéciales de Nicolas Dagenet pour avoir maîtrisé l'animal. Voilà, voilà, pour le 65, vous avez vu sous vos yeux le neveu de Crisetti. Est-ce qu'on a bien le 66 derrière? Oui. Le 66, présenté par... Enfin, tenu en main, Patrick Roulois, qui appartient à monsieur Jérôme Genevet, dans le 53 Bourgon, panoramique. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure de panoramique. Étalon qui est mort à 24 ans il y a 3 semaines. Alors panoramique, je ne vais pas vous raconter toute son œuvre, parce qu'elle est vaste, mais ça reste le seul et unique étalon des haras nationaux. Je dis bien le seul et unique dans toute l'histoire des haras nationaux qui a produit... sous la coupe des Rats Nationaux, lorsqu'il était au Rats Nationaux, un gagnant de groupe 1 en plat. La jument qui s'appelle Tuzla, au comte Bertrand de Tarragon, qui a gagné groupe 1 en plat aux États-Unis. Et c'est parce que, par exemple, un cheval comme Valanour, il a produit Voix du Nord, qui a gagné groupe 1, mais il n'était pas au Rats Nationaux quand il a produit, quand il a conçu Voix du Nord. Ah
Alors, sachant que Panoramic va bientôt être imité par Eventop, bon, il est mort Eventop, mais quand, lorsque Cyrus des Aigles va réussir à gagner son groupe 1, ce qui ne saurait tarder. Tandis qu'en fait, je vous ai dit une bêtise, une de plus dans la journée, puisqu'il y avait déjà eu un exemple d'un étalon des rats nationaux qui, à l'époque où il avait été étalon des rats nationaux, avait conçu une gagnante ou un gagnant de groupe 1. Garde royale avec Carling. Carling qui a un fils étalon d'ailleurs qui s'appelle Legolas dans l'Est. Et la fille de Le Nain Jaune qui avait gagné le vermeil monté par Alain Badel. Qui avait été deuxième du prix Diane, fille de Le Nain Jaune. On a tous un trou de mémoire. Magic Knight, voilà, bravo à notre photographe qui a trouvé. Voilà. Encore un militaire qui gagne une tringle à Redo, il est formidable. Pendant ce temps-là, le jury imperturbable, dans sa fonction, dans sa mission, regarde le 66. Le 24, je vais la battre. Voilà, merci au 66. Ce fils de Panoramique. Aura-t-on le 67 dans la foulée? Giacometti, fils. Le voilà, fils d'Alberto Giacometti, qui tire sa robe grise de sa mère, puisqu'Alberto Giacometti est bai. Sa mère s'appelle Lépi, elle-même tire sa robe grise de son père, Gret Palm. Et d'un excellent père de mère d'ailleurs, Gret Palm. Alberto Giacometti et Lépi. Alors, Lépi est une fille de Épidore, célèbre marque d'huile. Lépi est la cousine de Cagdari, fils de l'obscur Agdari, qui malgré cela est un excellent cheval de course, gagnant du barreau 3 à Anguin. C'est aussi la famille toute proche de New Zealand, une fille de Smadoun qui a gagné le Chloris à Anguin et la finale du Challenge des QPS de l'Ouest à Nantes. Les chevaux de qualité qui ont été exploités un peu plus en amont dans le pédigré par Marcel Roland à Paris, on pense à Cabernet, on pense à Cannonball, à Fireball. Et puis ici, nous avons dans cette famille un bon cheval qui se mit des brosses, élevé par Michel Lecoq. Cheval de qualité par Cameron Lévé. Gagnant Auteuil et placé piston à Auteuil. Voilà un cheval gris, poulain gris, donc par Alberto Giacometti. Alors Alberto Giacometti qui produit Tardif, mais qui a vraiment décollé en termes de production depuis le deuxième semestre 2010, où il a accumulé les gagnants en obstacle, dans une bonne partie à Auteuil d'ailleurs. Alberto Giacometti qui faisait la monte dans le Nord en 2011 et qui va revenir en Allier en 2012. Peut-être. Probablement, peut-être. De toute façon, il viendrait soit en Allier, soit en Normandie, au ras des Cruchettes. Puisqu'on vous rappelle que Nicolas de la Genette travaille pour un certain nombre de ses étalons en association avec Pierre Julien. Et c'est pour ça que les chevaux tournent, bien sûr, c'est pour ça que par exemple Costal Pass va monter en Normandie pour la saison 2012.
pas payé. Ouais. Parce que c'est tellement long que c'est plus facile de le faire un peu. Ça, il n'y a pas d'importe. Voilà donc Via Cometti qui nous vient du département 56. Le Morbihan, donc en Bretagne, proposé, présenté par Madame Laurence Barrault, qui est la sœur de Franck Scheyer. Fameux jockey Franck Scheyer, éternel et fameux jockey Franck Scheyer, tant en plaque qu'en obstacle d'ailleurs, vous l'avez tous vu sur les programmes, et qui est entraîneur. Et bah oui, alors tout s'explique, comme la vie est bien faite, c'est pour ça que le frère de Spoulala a gagné en Corse, parce que Franck a monté pendant des années, il a été cravache d'or pendant d'innombrables années en Corse, et donc c'est logique qu'il ait fait amener le fameux Répidor, donc qui est triple vainqueur en Corse. En fait, le cheval a accompagné son jockey. Alors voici le numéro 69. Parce que le 68 n'est pas là. Donc c'est bien le 69 qui est là. Il s'appelle Valco de Sazé. C'est un fils de Tony Truand. Ah, Tony Truand lui fait la monte au Haras des Mazières. Ben, c'est tout près d'ici, c'est chez Jean-Louis Mangin, un fils de Sandcat et Standings. Sandings, Tony Truand est donc le frère de Green Tune, puisque Sandings a donné naissance à une quantité de bons chevaux. Écoute, pas de réponse. Et Didim aussi, qui était le premier, super cheval, très précoce. Et donc Green Tune, fameux étalon, Green Tune, chef de race. Et donc aussi Tony Truand, qui nous propose ici un 2 ans. Qui s'appelle Valco de Sazé, présenté par Gérard Poutier de Aviré. Bon, alors la grand-mère, la Bayolidane, elle a gagné une course à Jalais. Bon, on va retrouver sous la quatrième mère des chevaux qui sont bien connus du Lyon d'Angers, puisqu'on a Heidi 3, mais surtout Théo 2, qui a fait une longue et belle carrière chez Michel Pelletier en personne. On a aussi, bon là il faut aller sous la cinquième mère, mais Bursa, qui elle aussi a fait une longue et belle carrière là, chez Cyriac Diard, à l'époque où il entraînait des chevaux d'obstacles. 10 victoires. Voilà pour ce fils de Tony Truand qui porte le numéro 69. Voilà, qui va se présenter au trot. Cheval qui a du bec, c'est 69. Ok, merci au 69.
qui, en l'absence ou en le retard du 70 veilleur de nuit, laisse sa place au 71 Véni. Desmottes. Alors, on a eu tout à l'heure Vidi, Vici, voici Véni Desmottes. Voilà, Chambrien, juste là. Véni Desmottes est un fils de Sleeping Car et Polka Desmottes. Alors, Polka Desmottes, c'est Julie Desmottes par Verte à Vienne, c'est-à-dire la première jument avec laquelle l'élevage Desmottes a été créé il y a 40 et quelques années. Jument déclarée méchante, petite, indébourrable, immontable, et qui a donné naissance à 14 vainqueurs différents en obstacle. Et non des moindres, la famille de Echo Desmottes, classique chez Thierry Lumière, sa famille de Disco Desmottes. Et plus près de nous, Julie Desmottes, donc la grand-mère de Spoulin, a donné naissance à Mambo Desmottes, gagnant à Cran, en steeple après avoir gagné le prix de l'avenir à Nantes. Nippy Desmottes qui a accumulé les victoires en Angleterre. Et Polka Desmottes qui n'a pas couru, elle a été conservée poulinière parce que c'était le dernier produit de. Enfin, c'était la première femelle de Julie Desmottes qu'on pouvait conserver poulinière, Polka Desmottes par Useful, qui est morte elle-même. En fait, ça, c'est son unique produit, par Sleeping Car. Alors quelques petits points de détail pour expliquer pourquoi la première et la deuxième mère n'ont pas couru. Tout simplement parce que dans cette famille, les femelles sont d'absolue rareté. Et donc dès qu'il y en a une, on évite soigneusement de prendre le moindre risque en course. Pourquoi ? Par exemple, Verte à Vienne, la jument dont je vous parlais, elle a fait un nombre incalculable de produits. Je ne sais plus combien exactement. Elle a fait son premier produit de femelle, c'était Riverta. Et après, il a fallu attendre qu'elle ait 26 ou 27 ans pour enfin refaire une femelle, en l'occurrence Julie Desmottes, donc qui a été saillie très tôt, comme vous pouvez facilement le comprendre, puisque c'était vraiment la seule branche qui pouvait permettre de continuer la famille. Voilà, donc ce fils de Sleeping Car, réputé pour faire autant, il fait des très bons mâles, que des femelles assez peu inefficaces, c'est un peu particulier, mais bon, c'est comme ça. Sleeping Car qui a quand même donné naissance des gagnants de groupe 1, dont un gagnant de Grand Steeple Chase de Paris. Il a fait les navires 2 parce qu'il y avait double car aussi, il a été malheureusement disqualifié. Racing Like aussi ce cheval. On parle beaucoup anglais aujourd'hui. Très sur le course. Merci.